Bonjour à tous! Aujourd'hui, j'ai un autre réchauffement à l'aquarelle à vous proposer. On commence par tracer d'un seul trait une ligne à la main libre avec un crayon de bois ou un feutre résistant à l'eau. On remplit ensuite les zones qu'on a créées avec les lignes qui s'entrecroisent avec des couleurs à l'aquarelle. C'est pas mal ça, c'est ça l'exercice. On crée des zones et on les remplit. Les réchauffements à l'aquarelle, ce sont des exercices simples qui cherchent à réchauffer l'esprit, les mains et aussi à humecter les couleurs à l'aquarelle avant de procéder à un projet qui demande plus de concentration et de précision. On peut évidemment créer les zones de couleurs avec plusieurs lignes. J'ai choisi de le faire en une seule parce que c'est un beau défi de se laisser aller, de lâcher prise sur le contrôle, de laisser le crayon danser par lui-même à travers la feuille. Et après, la portion remplissage de couleurs est relaxante, sans pression. Et ça permet de faire des découvertes de combinaisons de couleurs. Ça permet d'essayer des nouveaux pinceaux, un nouveau papier, de se familiariser avec des nouvelles couleurs. Vraiment, le réchauffement, c'est plus que juste se réchauffer, c'est apprivoiser son médium. Les réchauffements sont de nature simple, mais on peut toujours se rajouter des couches de défis comme le faire en monochrome, de créer des ondes de dégradés partout ou en utilisant le moins de couleurs possible sans qu'elles ne se touchent, par exemple. J'espère que ces réchauffements-là vont vous aider à apprécier vos séances d'aquarelle. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.